afin de symboliser le fait que je ne suis rien qu'une simple feuille de papier toilette. Pour torcher la nuit du monde jusqu'à l'instant recouvert de trop de merde, je ne finisse pas craquer. Comme chaque être humain, mon existence se trouve des réelles justifications que dans cette mission de nettoyage. J'essuie, non, j'éponge la merde des gens. Réciproquement, ils sont pareils et finissent par craquer. Pensant peut-être que ma main désir se fatigue afin d'extraire de mon portefeuille quelques pièces qui finiront vraiment vite au fond du sien. Tout y prend dans mes tympans qui décide ne pas vraiment comprendre pourquoi la vie l'a toujours considéré comme s'il était un chien. C'est bien, moi j'estime qu'il n'est pas très malin de mendier les biens insérés dans des baskets onéreuses. Spongieuses à la matière qui se colle contre mon corps. Cet homme a le ventre flasque, des poils lui sortent du nez. J'aimerais vous parler de vos odeurs, gardez-les. Le métro n'est qu'un ramassis de fange. Ce sont pas les bonbons qui brûlent, c'est 10 000 fois une grange. Leur esprit, tous convertis, ils prient sans même le savoir, les dieux consommation. Assis avec une bière dans le canapé de leur salon. 10 000 000 d'écrans prêches remplissent leur boîte crânienne d'images. Pourquoi devrais-je regarder la télé? Est-ce qu'elle me regarde, elle? La vie n'est pas belle. Tout son pantin, il y a des cicatrices. Ses jambes ont des varices. Et je suis sûr que son vagin accueillera mon pénis. Comme il accueille déjà des centaines de MST différentes. Désespéré à chaque fois qu'une femme enfante. Je réalise qu'en fait, je n'aime pas beaucoup les gens. Beaucoup de mystères. Ah non, c'est pas parce que tu rappes et moi aussi que je vais être obligé de parler avec toi. Tu es déçu, peut-être espérais-tu que nous deviendrions amis, que nous courions ensemble dans une prairie avant de nous voler dans l'air, tous les deux au ralenti. Avec une pâquerette dans la bouche, tu m'aurais trouvé sexy. En fait, je crois qu'espérer juste qu'on traîne ensemble à chasser en quittant des respects, tout en parlant d'un jean Maurice Malone. Lui-même comparable à un autre jean Maurice Malone. Lui-même comparable à des centaines d'autres jeans Maurice Malone, vu qu'il n'y a ça dans les boutiques. Et non, je ne suis pas quelqu'un d'eux, très sympathique comme cookies et j'ai envie de te dire. Afin que tu comprennes que je maîtrise aussi bien la haine envers chaque représentant de l'espèce humaine que la langue de Shakespeare, qui n'est autre que l'anglais. Tu avais compris? Finalement, il n'est pas si bête. Dans le rap, je n'aime que les gens qui disent que le club de l'outas n'est même pas du rap parce que me laisse tranquille. Je dédicace les rimes avec amour pour tous les MCs, ceux que je croise un jour, j'ai ce message. Et toi, ne me parle pas. Ne me parle jamais. Eh ouais, je fais pas le trop ridicule. Personnellement, comme ça, je trouve que j'ai trop de classe. Je pourrais être n'importe où en train de faire n'importe quoi. De toute façon, cela ne change rien. D'une part, je ne trouve ma place. Je n'ai pas trouvé l'arme adéquate afin de tuer mon ennui. Des jours n'est pas resté, j'aimerais pouvoir changer ma vie. Envisageant de me convertir en gigolo dans mon immeuble, il y a plein de vieilles. Les rites ne m'ont jamais gêné. Cela fait 12 jours, 10h, 45 minutes et 23 secondes que mon amoureuse aurait dû m'appeler tout à l'heure. J'avais réussi à me convaincre que ce silence prolongé était une preuve d'amour. À présent, fermant les yeux, tout ce que je visualisais ton corps pénétré par des centaines de types bizarres. Et elle a le temps, ça casse pas sur un lit suppliant. Encore, il est 23h12, j'ai envie de mourir. Je prends mes pilules, sinon je ne peux pas dormir. J'ai tout pour être heureux, mais pas stable. J'ai tout pour être heureux, mais pas stable. J'ai tout pour être heureux, mais pas stable. Tu verras, la mort te paraîtra aussi douce que les pages de ses jeunes climates dépérissant peu à peu dans sa cage. Si personne ne lui prête attention, je vais faire en voir les otaries. Ce sont les seules images qu'il me reste de mon rêve. Petit à petit, son souvenir se tarit.
pour ranger ma chambre, il y a une bonne. Pour ranger ma tête, un psychologue. Et pour moi, je pense, moi, j'ai jamais trouvé personne de compétent. C'est pas grave, de toute façon, j'ai déjà répété. Je suis déjà mort, et si c'est faux médicalement, je vais très mal, et ça, ça se voit. Mais quand personne ne voit moi-même, je me demande l'intérêt de dire ce genre de choses. Pour eux, couper mon cordon médical semblait être une manière amicale de me dire bienvenue dans la vie, c'est gentil, mais maintenant, ce que j'aime mieux, c'est qu'on recolle. Cela fait exactement 67 fois que je passe mon test de normalité humaine. Et à chaque fois, on me recale. Papy, mon petit poil, je suis en train d'être très malheureux. Arc-en-ciel, métallurgie, papier, crayon. Quand je rappe, je tiens à peu près tout ce qui me passe par la tête. Mes dernières rimes parleront sûrement d'une toute petite balle de plomb. J'ai tout pour être heureux, mais ce n'est pas stable. J'ai tout pour être heureux, mais ce n'est pas stable. J'ai tout pour être heureux, mais ce n'est pas stable. Alors il est bien cet inédit, avec tout l'amour que je vous donne. Ok, c'est cool. Allez, au revoir. Un deuxième inédit. Ouais, mais d'accord. Tu aurais zéro pour ne pas avoir su calculer cette identité remarquable que je suis. Mon envie de me soustraire à ce monde demeure proportionnel à ma faculté de multiplier les échecs. Et je ne m'excuse pas si je ne calcule pas. Moi, si je suis normal, c'est que je n'ai jamais compté pour personne. Avant dans les rues, je croisais la petite fille aux allumettes, mais la trouvant trop froide me dit que ce n'était pas la peine. Y a-t-il que dans les crématoriums on trouve de la chaleur humaine? Et c'est tout. C'est tout. Ça s'appelle du teasing. Si vous avez fait HEC, vous le sauriez. Voilà.